Non. Bon, nous voilà enfin 14 semaines plus tard, c'est la fin d'un mini-cut. Il est temps de faire un petit récap de tout ça, donc je vous avais demandé dans l'ancienne vidéo de me poser vos questions, soit en commentaire, soit j'ai aussi mis une box sur Instagram. Donc je vais y répondre et en même temps essayer de faire un récap un peu de tous ces mois pour vous donner quelques chiffres, quelques données, peut-être les calories, les mensurations, enfin mensurations j'ai que fait la taille donc ça va aller assez rapidement pour vous donner un petit peu quelques idées que vous voyez un peu par où je suis passée. Pour ceux et celles qui m'ont suivi toutes ces semaines là, j'ai quand même plutôt tout documenté déjà sur YouTube, mais voilà, on va faire un petit résumé dans cette vidéo. On va commencer par cette question là parce que je pense que c'est un bon début pour commencer cette vidéo, c'est combien de kilos as-tu perdu? Alors la moyenne la plus haute que j'ai atteint donc au pic de ma PDM juste avant de faire ma mini-cut était de 66,1 kg et la dernière moyenne de ma mini-cut était de 58,1 kg, donc 8 kg, exactement 8 kg en 14 semaines du coup. Évidemment, ça n'a pas été toutes les semaines où j'ai perdu les kilos de façon très linéaire. J'en ai même parlé dans mes anciennes vidéos, il y a des moments où je stagnais pendant 2-3 semaines, des moments où j'ai perdu en 2 jours 1,5 kg, ça a vraiment été, ça n'a pas du tout été linéaire, et c'est généralement pas le cas quand on perd du poids. On perd jamais exactement le même nombre de poids toutes les semaines, il y a des moments où on va atteindre un petit plateau, enfin en tout cas on va un petit peu stagner. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit descendre les calories, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte, telles que voilà, une grosse inflammation ou alors par exemple le cycle menstruel chez les femmes. Mais en tout cas, mon poids est descendu à 58,1. C'est pas le poids le plus bas que j'ai atteint, le poids le plus bas hors moyenne du coup c'était 57,7 kg. Autre question, est-ce que vous pensez que tu vas descendre en calories aussi bas pendant ta sèche de préparation ou le but avec la mini-cut est de moins descendre justement? Déjà pour vous donner une idée, donc mes calories les plus haut, donc 2 jours d'entraînement, donc c'est mes calories les plus hauts en PDM, étaient de 2685 kilocalories. Et mes jours d'entraînement plus bas que j'ai atteint en jours d'entraînement étaient de 1460. Donc on a enlevé 1225 calories par rapport à mes calories les plus hautes de PDM. Et sur les jours off en PDM, j'avais atteint 2510. Et en cut, le plus bas que j'ai atteint, c'était 1260. Donc pareil, environ 1250 calories en moins. Ces calories les plus bas que j'ai atteint en mini-cut, du coup, n'étaient pas... Enfin, mini-cut, on a compris que c'était une cut qui était un peu rallongée. Je vais vous expliquer ça juste après si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos. N'étaient pas atteints dès le début. J'ai pas fait un aussi gros gap. Un aussi gros déficit dès le début. J'avais d'abord des calories un peu plus hautes, donc ma coach a descendu progressivement, on va dire, mais avec quand même un bon gros coup hein, d'environ 800-900 calories en moins, je crois, dès les premiers nouveaux macros. Mais sur les 14 semaines de mini-cut, j'ai tenu 9 semaines en fait avec ces calories, donc les plus bas, il n'y a pas eu de moins que ça. Donc c'était quand même un gros déficit pendant assez longtemps. Est-ce qu'on va descendre aussi bas? Franchement, je ne sais pas. Quand on est en prep, on a une deadline et on doit être prêt sur scène, donc je m'attends aussi qu'il y ait des calories, peut-être des pas aussi longtemps, mais des jours où ça va descendre, ou des semaines aussi très très bas, peut-être voire plus même. Franchement, en prep, on enlève tout le côté santé. Si vous voulez, on va faire au maximum pour vraiment garder mes règles le plus longtemps possible, être la moins fatiguée possible, mais au bout d'un moment, s'il faut tirer et que le corps ne réagit plus, ben on tirera. Mais le but de cette mini-cut, c'était justement de faire un gros 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 premier dégraissage, et pour ensuite que la prep se passe beaucoup plus lentement, beaucoup mieux, qu'on peut ajouter plus de diet break, qu'on peut ajouter plus des volumes aussi, parce qu'on a compris qu'il m'en fallait quand même pas mal, parce que j'étais très sensible à ça, comme dit, donc j'avais... Alors, j'ai perdu mes règles, enfin, on peut pas dire vraiment perdu, parce qu'en fait je les ai eues, d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, mais je les ai eues là il y a 2-3 jours, donc j'ai eu mes règles avec 2 semaines de retard, et elles ont apparu quand on a mis en place un des volumes. On est lundi, il est 11h51, donc j'ai déjà mangé mon pré. Je vais aller à la salle. Je voulais vous prendre ici parce que aujourd'hui, je viens d'avoir mes règles. Donc c'est un petit peu un soulagement quand même qu'elles soient quand même là. Mais je vous avoue que ouais, cette semaine, en fait, j'ai eu vraiment des syndromes prémenstruels hyper forts. Mal de tête, j'étais ballonnée toute la semaine, mal de ventre.
une énergie très très basse, des envies très très hautes. Donc c'était pas facile. Donc là, je vais aller à la salle. Je suis pas dans une énorme forme. Je suis KO. Donc bon, ben c'est upper. En dévolume toujours. Donc on va aller faire ça. Et je pense que je vais prendre mes talons parce que ça fait un petit bout de temps. Enfin, toute la semaine en fait, je me suis pas du tout. J'ai pas du tout été sur les talons. J'ai pas du tout bossé mon posing, rien. Donc je pense que je vais le bosser un peu à la salle juste après. C'est pour ça que je pense que je vais vous emmener aussi. Enfin, je vais filmer sûrement. Donc on s'entraînait un petit peu moins fort, avec moins de volume pendant une semaine, là elles sont apparues. Je pense que c'est quand même lié parce que mon corps était très très fatigué avec le gros déficit plus les entraînements qui étaient intenses parce que j'ai pas du tout changé mes entraînements. On a un petit peu mis à la baisse les intensifications comme les drop sets, les rest pause, les choses comme ça où j'en avais plus à la fin, j'avais des séries simples. Mais voilà, j'avais quand même un gros volume d'entraînement avec des gros exos. Enfin, avec des gros exos, en fait, les mêmes qu'en PDM. J'ai pas du tout changé mon entraînement. Niveau force, d'ailleurs, j'ai pratiquement pas bougé mes perfs. Alors, il y a quelques perfs qui sont descendus quand même, notamment le stiff leg, donc le soulevé de terre, j'ai entendu que je démarre au sol. Lui est un petit peu bougé. Je crois que j'avais atteint, je crois que je faisais 82,5 kilos, je soulevais un truc comme ça. Et là, peut-être que c'était 75, un truc comme ça sur la fin. La presse, par contre, ouais, la presse, elle a bougé. La presse circulaire, j'avais atteint 4 PPS, donc 4 plaques de 20 par côté. Et là, franchement, sur la fin, même 2,5 ou 3 me paraissaient extrêmement lourds. C'est vraiment le plus gros exo où j'ai perdu un peu de la charge quand même. Mais sur les autres, j'ai vraiment plutôt maintenu, voire un tout petit peu descendu pour quand même faire une bonne série et pas que j'ai juste 4 ou 5 répétitions, quoi, pour quand même avoir des bonnes répétitions, rester dans ma rep range et être proche de l'échec, c'était le plus important en mini-cut. Une mini-cut d'ailleurs, donc c'est une cut qui est très agressive où on va descendre vite les calories pour perdre vite du gras. Généralement, on la fait entre 4, voire jusqu'à 12 semaines, c'est assez fréquent. Moi, ça s'est un petit peu rallongé parce que je pars en prépa l'année prochaine et on voulait pas en fait partir trop grasse. On voulait descendre au max pour pouvoir avoir une petite marge quand même de phase de masse par la suite avant de commencer la prépa. Là, je suis aux alentours de 58 kilos. Avec la reverse, il est possible que je perde un petit peu de poids. Mais en tout cas, le but, c'est pas de prendre du gras, c'est de faire de la masse, de rattraper les points faibles qu'on a vus sur le physique. D'ailleurs, mon programme va changer, donc je suis trop contente. La semaine prochaine, j'ai un nouveau programme, un nouveau split avec focus fessier et focus épaule. Vraiment très hâte. Je sais pas si j'ai fini la question, je sais plus où j'en étais. Alors juste bravo, magnifique, pour ce rendu post-mini-cut. Merci beaucoup, malgré que les dernières photos que je vous ai montrées, donc je vous ai montré déjà l'avant après je pense. J'ai eu mes règles juste le jour même et j'étais très gonflée. Donc je suis pas super satisfaite de cette photo là, malgré que je trouve que l'avant après est quand même assez incroyable. Donc je suis plutôt contente. C'est quoi ton cheat code pour ne pas avoir faim en sèche? L'aliment qui te cale le mieux. En fait, on vous dit souvent que la faim, il faut, voilà, on va essayer de tout faire pour la moins la ressentir. On va essayer d'avoir un gros volume alimentaire, des choses comme ça. Je vais juste vous dire un truc que j'ai vraiment, je pense, aussi appris avec cette mini-cut, c'est que on peut pas aller contre sa faim. Et qu'à un moment donné, t'auras tout le temps faim, parce que même le volume ne te calera plus. Parce que ton corps, il est pas bête. Il sait très bien que quand c'est pas dense caloriquement, il le sait très bien, t'auras faim, genre 10 minutes après, quoi. C'est peut-être difficile à accepter au début, mais il va falloir accepter la faim. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai franchement plutôt bien dealé. Cette mini-cut m'a permis vraiment de me rendre compte que j'étais capable de ressentir la faim sans que ce soit quelque chose qui me hante en fait l'esprit toute la journée. La plus difficile semaine, c'est celle-ci qui est passée. Donc là, je suis en reverse depuis hier. Donc juste avant ça, lorsque j'ai eu mes règles. Donc quand on a fait le dévolume, j'ai eu pas une faim. En fait, je ne ressentais plus la faim vraiment intense vers la fin parce que mon métabolisme s'était aussi un petit peu adapté à la baisse, ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui n'est pas du tout mauvais, ce qui est tout à fait normal quand on baisse ses calories,
le métabolisme s'adapte, mais il remonte juste après. Et là, j'avais plus faim, par contre, j'avais des très fortes envies, donc je vous avais dit déjà dans la précédente vidéo, très fortes envies de gras, notamment de peanut butter, vraiment, parce que j'avais du peanut butter, j'avais 10 grammes de peanut butter dans ma diète un jour off, et c'est vrai que quand je l'avais, vraiment je le mettais sur une cuillère, je le mettais pas sur directement, sur, j'avais des œufs avec, donc bon, je mettais directement sur une cuillère, et vraiment cette cuillère dans la bouche me procurait un plaisir fou, et j'avais très envie de gras, mais je pense que c'est mon corps qui réclamait ça, parce que les règles sont quand même, demandent une énergie supplémentaire au corps, et je pense que voilà, très clairement c'était mon corps qui réclamait du gras, parce que dès lors où j'ai eu mes règles, mais vraiment ça a été le jour et la nuit, hein. Plus du tout d'envie. C'était vraiment juste ça. Et je peux rebondir sur les questions que j'ai eues par rapport au craquage. C'était comment tu as fait pour ne pas craquer ou as-tu craqué en cachette? Donc j'ai pas craqué parce que je vais vous expliquer juste un truc. Déjà j'avais un but derrière. Je savais que ce qu'on faisait maintenant allait me faciliter la vie pour après. Et deuxième chose, je savais que si je craquais, ça ouvrait la voie en fait à d'autres craquages. Et j'avais pas envie de me mettre dans ce cercle vicieux là. J'avais pas envie en fait d'avoir une sorte de boulimie, enfin je sais pas si un peu, d'hyperphagie plutôt, avec la bouffe, parce que ça aurait ruiné en fait toute la semaine, et j'avais pas envie de ça, j'avais tellement déjà souffert avant, vraiment c'était une minute quand même qui m'a mis dans mes, qui m'a poussé dans mes retranchements, et j'avais vraiment pas envie de ça, parce que je me disais, ok, si là tu craques, ben en fait, je sais que je vais craquer plusieurs fois après. Donc j'avais pas envie, je voulais juste ne pas le faire, et en même temps ça m'a aussi conditionné pour la prep qui arrive, où on sait très bien que, en fait, au plus on craque, au plus derrière faudra compenser, faudra baisser les calories, faudra faire plus de cardio, on pourra pas faire comme on veut les diet breaks, les refits, les choses comme ça, alors que plus on tient, même si c'est difficile, derrière ce sera toujours plus facile et le rendu sera toujours convaincant. On peut jamais cacher un craquage sur un physique, ça se verra. Évidemment que quand on est, là je vous parle d'une mini cut en vue d'une préparation de prépa. Mais je pense que c'est d'être un peu la même chose sur, même si tu veux juste perdre du gras ou quoi, il y a des façons de le faire plus lentement pour que ça te mette moins dans le mal, ça c'est sûr. Maintenant, si tu es dans le bodybuilding et que tu as déjà expérimenté les mini cuts et que ça a été très difficile pour toi, je pense vraiment que c'est un conseil. Dis-toi que au mieux tu respectes, au plus tu acceptes la faim, au plus tu acceptes les envies qui sont absolument normales. On ne doit pas culpabiliser d'avoir des envies, c'est normal, c'est juste le corps qui réclame. Mais par contre, de craquer derrière, ça va juste retarder et te mettre plus dans le mal. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment répondu avant de le cheat code pour ne pas avoir faim en sèche. Et l'aliment qui me cale le mieux, je crois que quand même, dans tout, les flocons d'avoine, c'est vraiment quand même pas mal. Parce qu'en fait, tu peux les faire vraiment gonfler. Et je sais que j'avais ce dessert en jour on, le soir. J'avais des flocons d'avoine avec une demi-pomme. La pomme aussi, hein, c'est quand même volumineux. J'avais ça que je faisais gonfler avec de l'eau, même je crois 4 minutes au micro-ondes. Et du coup, ça me faisait quand même un peu une bouillie. Et c'était quand même satisfaisant. Donc si jamais les flocons d'avoine, franchement, c'est pas mal. Et aussi, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les jours où vraiment j'avais très envie d'avoir un peu plus de volume, malgré que je savais que ça allait pas forcément me caler longtemps, mais que j'avais quand même envie d'avoir plus de volume, les jours où par exemple il y avait des invités à la maison, qu'on mangeait en famille et que j'avais envie aussi de manger un peu plus, juste pour profiter du repas plus longtemps avec eux et pas avoir juste 3 bouts de choses à manger, des pâtes de konjac. J'en achète pas tout le temps déjà parce que c'est extrêmement cher. Et en plus voilà, c'était vraiment, déjà je trouve pas ça non plus ultra bon. Et en plus, c'est du volume, mais en vrai, 10 minutes après, tu l'as digéré. Enfin, c'est pas vraiment... j'ai pas ressenti comme un truc qui me calait, quoi. Donc, c'est de temps en temps, quand j'ai vraiment envie d'avoir un bol un peu plus rempli visuellement, juste parce que ça me fait plaisir, j'ai acheté des pâtes de konjac. 100% konjac, attention, parce qu'il y a beaucoup de marques qui en vendent des moins chères, mais en fait, il y a de l'avoine, des choses comme ça dedans. Donc, du coup, le macro change. Bravo pour ton parcours, tu es déterminé et motivé, un exemple. Merci beaucoup. Mais je pense que j'ai juste un objectif. J'espère que mon micro ne touche pas. Mais je pense que j'ai juste un objectif en tête et que cet objectif est tellement grand pour moi. En fait, il y a des soirs où je vous avais dit, mais des soirs, et là quand... le soir avant de commencer ma reverse, donc la veille avant, j'ai eu vraiment du mal à m'endormir juste parce que bah, je savais aussi qu'on allait changer un peu le programme. Enfin, je m'en doutais qu'on allait changer le programme. Elle ne m'avait pas dit encore, mais je m'en doutais. Et j'avais tellement une hâte d'avoir de nouveau de l'énergie à la salle de sport. Parce qu'évidemment, j'ai maintenu une bonne intensité, mais entre l'intensité de la fin de la cut et l'intensité que j'avais en PDM, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si je vous retrouverai des clips. Ah, moi, en PDM, quand j'ai revu certaines vidéos, je me disais, ouais,
j'allais au bout du bout du bout. Enfin, c'était vraiment grosse intensité que je pouvais plus mettre en mini-cut, que j'avais plus du tout l'énergie. Et là, ça me fait du bien de changer de programme. Ça fait un an que j'ai le même programme, hein, les mêmes exercices, tout. J'ai très bien progressé comme ça. Et il faut tenir plus longtemps un programme pour vraiment bien progresser comme ça et ne pas le changer, surtout pas en cut, ça sert à rien. Mais là, je suis contente parce que je sais que on va focus et on va cibler des points faibles, donc pour arriver à encore plus l'objectif de bikini, tout ça. Donc j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Et rien que hier, j'ai mangé une journée avec un peu plus de glucides. D'ailleurs, je vous en parle juste après. Mais waouh, la différence. Déjà ce matin, je suis motivée, je filme des vidéos et tout, je suis juste motivée. Marcher, c'était pas un supplice hier, alors que pourtant je viens à peine de remanger des glucides. Donc je suis très très contente, ça annonce du bien pour la séance. Combien de kilos en plus penses-tu devoir perdre pour la scène? Je pense, en vrai, je ne sais pas du tout. Ce que je vous dis, c'est vraiment une spéculation et on pourra comparer avec cette vidéo plus tard, voir si j'avais juste, parce que je n'ai jamais eu une condition de scène. Et on va faire encore de la masse, mais je pense que là, je me rapproche des 50 kilos sur scène. Ça me paraît assez juste, pour proche des 50 kilos, je pense, sur scène, pour être suffisamment sèche quand même. Est-ce qu'on a forcément faim quand on fait une cut, une sèche? Alors ça dépend, parce que après une PDM par exemple, où ta digestion n'était pas folle, t'as faim non plus, tu galérais à finir tes assiettes et que après t'es directement en sèche ou enfin en mini cut et tu cut très drastiquement, tu as pas nécessairement faim parce que juste ça va te faire même du bien. Donc tu vas pas souffrir de la faim, tu vas même genre vraiment l'envier, tu vas vraiment avoir envie d'avoir faim parce que c'est cool d'avoir faim. En fait quand on perd cette envie en PDM, on a vraiment très très envie de la retrouver parce que c'est vraiment bien d'avoir faim le matin, quand on se réveille, quand on va manger, c'est une bonne sensation. Par contre, au bout d'un moment, oui, je pense que tu vas quand même la ressentir parce que quand tu es en déficit, le corps veut toujours rester en homéostasie, donc il veut jamais perdre, il veut pas perdre ce qu'il a. Même si ce qu'il a n'est pas très sain, il veut pas le perdre, c'est juste un mécanisme de survie. Donc quand on est en déficit, on va ressentir la faim, c'est normal, c'est même très 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 bon signe de ressentir la faim. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ton métabolisme a diminué, donc tu ressens un peu moins la faim, mais peut-être plus la fatigue, parce que ben justement, ton métabolisme a diminué, donc tu fonctionnes un petit peu au ralenti. Moi, c'est ce qui s'est passé sur milieu fin de ma mini-cut où la fatigue était beaucoup plus handicapante que la faim. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je crois que ça fait déjà pas mal de temps que je filme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous avez d'autres questions, vous me les posez et je vous y répondrai. Mais j'ai fait un petit récap, je pense. Pour ce qui est des mensurations, j'avais pris mes mensurations, donc enfin juste ma mensuration de ma taille. C'est quand même un très gros endroit de stockage chez moi, la mid-section. Fin de PDM, j'étais arrivée à 76 de tour de taille. Et fin de mini-cut, je suis arrivée à 66, donc j'ai perdu 10 cm de taille. Et il me semble, je peux vous faire ça en live, parce que je crois que j'avais pris mon tour de fessier, il me semble que j'étais à 103, 104. 97. Donc j'ai aussi forcément perdu un tour de fessier. D'ailleurs, ça va être un gros focus qu'on va faire pour correspondre bien à la catégorie bikini, avec des épaules plus imposantes. J'ai tellement hâte. De toute façon, je vous détaille tout ça. Et puis, voilà. Je viens de rentrer de la séance. Donc, c'était ma dernière séance en dévolume. C'était une séance push. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai même fait assez rapidement. J'avais vraiment beaucoup d'énergie. Franchement, c'était vraiment super cool. Donc, je vais vous parler un petit peu du début de cette reverse. Qu'est-ce qui change vraiment? Pas rentrer vraiment dans les détails. Je vous ferai sûrement une journée dans mon assiette. Dites-moi si ça vous plairait. Parce que j'ai vraiment tout changé. J'ai plus de cardio les jours on. J'ai juste du cardio encore les jours off. Donc j'ai 30 minutes encore les jours off. J'ai plus de 12 000 pas, mais je passe à 10 000. Vraiment, ça me libère un temps fou dans ma journée. Donc c'est vraiment cool. En ce qui concerne les macros, j'ai 5 g de plus de fat sur les jours on. Avec 50 g de glucides en plus. Donc ça fait très très plaisir. Et sur les jours off, j'ai 10 g de fat en plus avec 80 g. Non, avec 70 g. De glucides en plus. Donc autant vous dire que quand j'ai refait mes 1000, c'était incroyable, j'avais l'impression de manger énorme. J'ai un peu tout remanié, il y a un intra qui vient dedans, enfin je vous en parle plus. Je pense vraiment que je vais vous filmer une journée de mon assiette, ça peut être vraiment hyper intéressant et cool à voir, je pense.
parce que ça vous plaît toujours les choses dans mon assiette. Et voilà, j'attends impatiemment la nouvelle prog, vraiment trop impatiemment ça. Je sais que j'ai loupé quelques questions, j'en suis rendu compte juste avant, donc je vais y répondre juste maintenant. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et détesté lors de cette phase de mini-cut? Je pense que le plus aimé, c'est le challenge que ça apportait, voir mon physique aussi se dessiner, sécher. C'est vraiment ce que j'ai le plus aimé. Et ce que j'ai le plus détesté, c'est peut-être la longueur, dans le sens où j'avais vraiment très 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 envie de repartir en masse parce que je voyais mes points faibles. En gros, voilà, c'est ça. Mais, et la fatigue, évidemment. La grosse grosse fatigue qu'il y avait, c'était pas forcément la fin, vraiment très très grosse fatigue qui me mettait dans un état léthargique. Donc ça, c'était le point noir dans cette mini-cut. Comment ne pas se décourager quand on ne voit pas de changement? Ben, ça fait partie du processus et se dire que ça peut pas toujours changer, mais qu'un travail et une persévérance donnera toujours, toujours, toujours des résultats, même si c'est pas immédiat. Ne pas se fier à la récompense immédiate, mais plutôt celle différée. Ça apporte beaucoup, beaucoup plus de changements sur le long terme. Ne t'es-tu pas demandé si tu perdais du temps à chaque fois que ta coach prolongeait? Si pendant une semaine, on va dire que j'étais vraiment, vraiment pas bien. On a discuté un peu plus profondément elle et moi, et voilà, elle a pu me détailler, comme vous avez dit dans une ancienne vidéo, vraiment son but et le fait que voilà, on devait rallonger parce qu'on devait cutter plus pour permettre une prep qui soit moins dure et moins difficile. Donc je vais pas vous mentir que ce dernier mois a été, dernier mois, 5 semaines, a été très très difficile mentalement, moralement. Et ça rebondit un peu sur la deuxième question, enfin sur une prochaine question, qui était body dysmorphia présente. Je dirais non, mais plutôt une lucidité sur mon physique qui n'était pas encore prêt pour monter sur scène, dans le sens où moi je me vois pas comme ça, je vois avec une masse plus importante. Donc ce qui était très difficile en fait, c'est de continuer tout en sachant que le programme n'était pas qu'il n'était pas adapté, mais on pouvait mieux faire, quoi. Et en sachant que voilà, on ne change pas un programme sur une cut, ça sert à rien. Donc je savais qu'en fait, on allait remonter et j'avais très très hâte de remonter pour faire plus de masse sur les zones où j'avais envie de faire plus de masse avant la prépa. Et on va dire que une des choses aussi les plus difficiles, c'était moi et le regard que j'avais sur mon physique, dans le sens où j'avais plutôt des fois anxieuse sur le fait de pas être prête en fait et de pas amener le physique que je veux l'année prochaine. En gros, après, c'est des questions qui regroupent un peu les mêmes choses de ce que je vous ai déjà répondu. Je suis en train de monter la vidéo et elle fait déjà 20 minutes là. Je vais vous laisser ici. Je vais faire un peu de posing juste après ma séance push et vraiment, je trouvais que mon physique rend, mais c'est incroyable, comme un peu de glucides. Ça rend incroyable, donc je vous mets quelques petites photos ou un petit peu le clip, je sais pas comment je vais monter ça. Mais je vous montrerai, je suis trop trop contente déjà, rien que là, autant vous dire que j'ai hyper 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 hâte de ce que va donner, mais je vous assure, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer aussi mes nouvelles séances et de toute façon, je continue de tout documenter. Merci pour vos messages, merci pour vos encouragements, vos DM, ça fait très plaisir de parler avec vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao !